n'ai pas que ça à faire. Asseyez-vous. Bien, nous allons donc pouvoir commencer. Prenez vos sacs. Elle est sur la faille. Je connais la tâche que vous essayez de cacher. Je suis passée par là, moi aussi. La honte, l'infamie. Relevez la tête. Vous avez apporté ce que je vous avais demandé? Oui. Sortez tout. Ah, je vois, et ça n'a pas marché, bien sûr. Non. Et vous avez essuyé des sarcasmes. Oui. Ensuite. Ah, ça, ça laisse des traces. Oui. Noir. Oui. Ensuite. Ah, l'odeur. Repérez à l'odeur et à la police. Oui. Tous vos malheurs seront bientôt effacés. Voici la gommadette. Prenez la gommadette. Stop! Pas avec les mains, avec des pincettes. Qu'est-ce que vous prenez avec vos mains généralement? Le blé, l'oseille, l'artiche, le flouze. L'argent? Les pépettes? La monnaie? Les billets? L'artiche? Et tout ça c'est... Bon, magnifique. C'est sale. Et donc vous avez les mains? Sale. Oh, la gommadette est pure. La gommadette n'a pas d'avenir. La gommadette n'a pas de passé. La gommadette est un présent absolu. Dette de l'électricité effacée. Dette du casino de mon mari qui m'a quitté avec mes trois enfants effacée. Dette des impôts effacée. Dette effacée. Dignité retrouvée. Dette effacée, 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 dignité retrouvée. Encore un coup de la gommadette. Seule la gommadette efface les dettes. C'était le groupe numéro 23, le CFA de la CCIV IFA de l'Aurozois, de Montigny-le-Bretonneux. Ah, ils ne sont pas nombreux, mais ce n'est pas grave. Il y en a un qui est là pour les autres, et c'est très bien. C'était la gommadette, le thème qu'ils avaient choisi, leur préoccupation. La mise en scène est de Chantal Pétillot. Ces jeunes comédiens sont en bac pro secrétariat. L'interprétation est de Réaphone, Yamina, Samia, Maëlys et Ikram.